Alors écoutez, je ne peux pas aider madame avec les dates pour la bonne raison que tous mes mails ont été effacés cette nuit. Ah bon ? Ils ont été effacés par qui ? Ils ont été effacés par erreur pour nettoyer ma mail. D'accord. J'aimerais juste avoir votre sentiment, Stan, là-dessus. Et moi, Julien, le coup des mails, j'y crois pas une seconde, personnellement. Non, mais il me dit, et voilà, il me dit ça, et ensuite il me dit, mais Stan, je crois que je te l'avais transféré, le mail, hier, etc. Alors, regarde. Bon, bah, je regarde mes mails. Moi, personnellement, je voudrais m'adresser à la gérante de la discothèque. Quel scandale. Le Sensual Club. C'est une honte. Vous devez avoir sous un siège des documents. À un moment donné, un monsieur hier s'est mis torse nu et a dansé comme ça avec une bouteille de vodka, avec des jeunes filles autour de lui. Et il devait avoir un dossier qu'il a dû jeter. Je pense que les documents sont là-bas, mais ils n'ont pas été effacés de votre boîte mail. Continuer à mentir comme Servet, c'est une honte. Non, je ne peux pas laisser dire ça, Julien. Je ne peux pas laisser dire ça. Je suis Bernard Sabat, le négociateur. Dans l'autre qui se présente maintenant. Je suis Bernard Sabat, le négociateur. Ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. Il prend la parole et il pense que je ne vais pas le reconnaître. Stan nous a dit il y a quelques minutes, t'inquiète pas Hervé, je te couvre, j'ai le mail, je te l'envoie. Bon, donc vous voyez quand même que vous n'avez pas tué la même version. Je rappelle que cette émission est produite par une boîte de production qui s'appelle BCP Productions. Bracassé Productions. Vous me donnez la réponse demain matin? C'est à moi, à Madame Audebert. Ah non, à vous, parce que Madame Audebert vous a fait une proposition, c'est à vous de répondre maintenant. Oui, Madame Audebert, c'est vous. Madame Audebert, c'est vous. Il aura d'ici 2 mois la véranda. Et la véranda, ça y est, je peux m'installer dans ma véranda. Je peux boire mon café dans la véranda. Hey, la véranda. Voilà. Je suis désolé Anaïk et ça fait partie de l'émission. Je suis comme vous concerné, mais c'est contractuel. Vous croyez que ça m'amuse à mon âge de faire ça? Non. J'ai un contrat de travail, j'essaie de le respecter. Alors vous voulez connaître toute ma vie, c'est qu'en fait, après j'ai rendez-vous à M6 à 7h30 du matin. Donc le temps de promener le chien, de prendre ma douche et de venir à M6, il me faut une heure. Alors il y a des fois où vous êtes obligé de faire un pass sur certains trucs parce que vous n'avez pas le temps et c'est malheureusement souvent la douche. Alors nous allons... Si vous me dites non, vous allez en justice, vous demandez ce que vous voulez. Mais surtout, vous avez vous-même demandé un délai supplémentaire pour décaler. Mais il y avait eu du retard de notre côté. J'entends, mais à un moment donné, il va falloir faire un petit effort. Le délai, il a 2 ans quand même. Hein. D'accord. Maître, si vous voulez, on peut refaire toute l'histoire 5 fois, ça ne sert à rien. Alors on avance. Alors si c'est sûr, ne dis rien, bordel. Pardon. J'essaie de vous convaincre du fait que c'est un très bon accord. C'est tout. De temps en temps, il faut comme ça relancer un peu les équipes. Hervé Pouchol, bon, vous vous frottez les bras depuis tout à l'heure et c'est bien. Tant mieux si ça vous fait du bien parce que je le vois tout à l'heure dans mon écran de contrôle, il se frotte les bras tranquillement, comme ça, il est bien cette... Oh, il a bien bossé depuis tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé pendant la première heure et là maintenant je me frotte. Parce que ce ne serait pas vous qui seriez chargé d'appeler nos amis belges? Et si, et je l'ai alors, fait. Et voilà, et ça, vous étiez surpris de ma réponse. Dites donc, ne soyez pas insolent. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. S'il vous plaît, je vais vous demander de... Mais c'est faux en plus, c'est moi qui ai appelé la Belgique, dites donc. Alors quel escroc celui-là. Mais c'est quoi? Johan, je prends moi la boule de cristal, car voir toi sur ta vie. Toi habiter près d'une ville où il y aurait Martigues. C'est ça. Comment s'appelle ville? Châteauneuf et Martigues. Bien. Yeah. Toi travailler, voir computer, moi, beaucoup clavier. C'est ça. Toi, être seul dans lit pour l'instant. Oui, tout à fait. Voilà, il est célibataire. Bon, écoutez, ce petit numéro marche bien. Je pense qu'avec quelques réglages... Il y a mieux que ça. Hein. Oui, enfin, d'accord, je ne suis pas le mentaliste. Bon, d'abord, il manque la boule de cristal. Eh bien, parce que vous ne l'avez mal regardé. Allez, on y va. Johan, s'il vous plaît, on va se reprendre un petit peu tout le monde. Apéritif, tout le monde est invité. Allez, un petit coucher, le Pouchol. Ça va se terminer à poil collé au sol. Merci beaucoup.